Quels sont les avantages et les limites d'acheter de l'immobilier depuis sa holding personnelle? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet. Je sais que ce sujet-là il t'intéresse parce qu'on va parler de la holding. Tu dois beaucoup en entendre parler et le but du jeu c'est que je puisse de synthétiser de façon la plus simple possible quels sont les avantages d'acheter en holding et les limites. Alors si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner puisque tu vas retrouver à l'intérieur de la chaîne YouTube Investissement Locatif d'autres vidéos et notamment une vidéo cruciale où je t'explique précédemment comment acheter de l'immobilier en holding. Donc ce qui est important, c'est que tu puisses voir la vidéo précédente en amont pour comprendre ce sujet-là. Sinon, tu vas nager et tu risques d'être perdu. Alors, si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. On accompagne chaque année des centaines de clients dans plus de 15 villes en France dans des opérations immobilières très rentables. Et j'ai eu la chance avec mon associé Emmanuel Ravier d'acheter beaucoup d'immobilier, que ce soit en direct, en société, en SCI. Et j'ai une holding personnelle dans laquelle je fais toujours des opérations immobilière. Donc le but du jeu, encore une fois, je ne suis pas fiscaliste, moi mon métier et celui que j'aime, c'est l'immobilier, c'est le terrain, c'est de monter des opérations immobilières très rentables pour nos clients, mais ça me permet de te donner un regard finalement d'utilisateur de l'holding pour te créer ce que j'appelle ton empire immobilier. On va regarder tout de suite sur l'écran, je t'ai mis les principaux avantages de détenir de l'immobilier en holding et en même temps, les limites pour que ce soit clair dans ta tête. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas de partir tout feu tout flamme et de dire je crée une holding sans avoir les tenants, les aboutissants. Mais attends, est-ce que c'est fait pour moi et pour ma situation? Donc ça va énormément t'aider. Les avantages de la holding, et je te remets le schéma que je t'avais mis dans une précédente vidéo. J'ai pris Martin Dupont, je t'ai pris un exemple qui a des sociétés opérationnelles. Donc, toujours les mêmes, il a son bar, son restaurant, il vient d'ouvrir un magasin de vêtements et il vient de se créer une holding pour faire des opérations SCI1, SCI2 et sache qu'il détient également de l'immobilier en direct. Donc ça, c'est pour que tu puisses savoir le schéma et de quoi on parle. Encore une fois, jette un petit coup d'œil à la vidéo précédente qui va énormément t'aider puisque gratuitement, je t'explique ce fonctionnement. Les avantages de ce modèle-là, c'est qu'en 1, tu vas pouvoir faire circuler ta trésorerie. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, dans un monde du financement qui s'est énormément professionnalisé, si tu as besoin de mettre de l'apport, faire circuler la trésorerie par une convention, attention, je te le mets ici, ne pas faire n'importe quoi, faire bien rédiger ta convention de trésorerie par ton expert comptable, ça va te permettre quand c'est nécessaire de pouvoir produire de l'argent beaucoup plus facilement et avec un effort moindre. L'avantage de ta holding et d'acheter de l'immobilier, c'est que derrière, tu vas pouvoir te rémunérer ou une partie de ta rémunération pourra être en dividende. Tu vas pouvoir piloter, c'est le point numéro 4 que je te mets et qui est vraiment intéressant dans ce schéma-là, c'est que l'idée, c'est que tu puisses être flexible, avoir de la flexibilité. Quand tu achètes en direct de l'immobilier, tu reçois le flux, tu donnes ton RIB à ton locataire, tu reçois le flux et c'est très bien. Mais derrière, tu ne peux pas piloter. Tu ne peux pas dire, il y a 1000 euros de loyer, sur les 1000, en fait, j'en voudrais que 800 parce que 200, je voudrais les réinjecter dans l'immobilier. Ici, l'intérêt, c'est comme tu peux piloter, tu peux tirer en rémunération, en salaire, en dividende la partie que tu souhaites et le reste, tu peux le réinjecter pour faire grossir ton empire immobilier. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tant que tu ne redescends pas l'argent, tu vas éviter la cage charge sociale et impôt sur revenu puisque cet argent, il est au-dessus de ta tête entre le holding et par exemple l'immobilier que tu as acheté en SCI. Donc, il navigue au-dessus. Donc, tant qu'il n'est pas dans ta poche que tu ne le descends pas, tu vas éviter cette strate de charge sociale, d'impôt sur le revenu. Et donc, c'est très intéressant parce que tu as plus de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça quand tu me dis, mais comment est-ce que tu as fait avec Manuel pour lever plus de 15 millions d'euros de dettes à deux? On a optimisé, on a fait en sorte de produire de l'argent avec moins d'efforts et on a fait en sorte d'avoir un pouvoir d'achat plus fort. Alors, est-ce que acheter de l'immobilier depuis
Ce holding, c'est la formule magique, c'est la formule miracle. Déjà, souviens-toi, en termes de fiscalité, en termes de montage fiscal, il n'y a pas une formule miracle. Sinon, tout le monde achèterait de l'immobilier depuis ce holding, tout le monde achèterait en société ou tout le monde achèterait en personne physique. Il faut que tu te dises, il y a une meilleure solution par investisseur, par rapport à un projet, pas pour tout le monde. Ça, ça n'existe pas. Ce qu'il faut que tu te dises déjà en un, bah, faut que tu réfléchisses au coût de structure. Le fait de détenir ta holding ici, ça veut dire qu'ici, tu as un bilan à chaque fois. Tu as une liasse fiscale. Donc, ici, bah, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire que l'ordre d'idée, je ne sais pas, ça va être 1500 euros. Donc, si on le fait pour acheter un studio, bien évidemment, ça ne va pas être optimisé. Tu te rends déjà compte, c'est un petit peu avoir une deux chevaux et tu mets un moteur de Ferrari dans ta deux chevaux. Donc, fais-le pour des opérations qui vont générer quand même un certain montant de chiffre d'affaires, de loyer. En deux, il faut que tu te souviennes que cet argent qui est dans ta holding, il est au-dessus de ta tête. Moi, j'aime bien l'imaginer comme ça. C'est une société qui est au-dessus de ma tête. L'argent qui est investi, qui circule, il doit être dans l'intérêt de la holding. Par exemple, quand la holding investit dans l'immobilier, c'est parce que, imagine, elle avait de la trésorerie et donc elle investit dans l'immobilier pour faire fructifier cette trésorerie plutôt que rien en faire. Mais si tu vas faire les courses à Carrefour avec, bah, ce n'est pas dans l'intérêt. C'est ce qu'on appelle un ABS, un abus de bien social. C'est-à-dire que tu fais une faute de gestion et tu te sers de cet argent à des fins personnelles alors que tu devrais t'en servir dans l'intérêt ici de ta holding. Et en trois, ce qu'il faut que tu te souviennes, mais c'est la conséquence de ça, c'est que l'argent, il est au-dessus de ta tête, il n'est pas dans ta poche. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, mais attends, moi, ton truc, ça ne sert à rien. Ok, tu as de l'argent au-dessus de ta tête, mais il n'est pas dans ta poche. L'intérêt, c'est de l'avoir dans la poche. En fait, il y a une autre école qui dit, bah, moi, je préfère avoir plus au-dessus de ma tête que moins, mais dans ma poche. Donc, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut juste que tu te dises, bah, quelle est la solution pour toi et quel est le raisonnement que je t'invite à avoir. En tout cas, c'est celui que j'ai. C'est de me dire, si j'ai un pouvoir d'achat qui est plus fort là-haut et si de toute manière j'ai envie d'acheter dans l'immobilier, bah, l'argent qui est là-haut, je m'en sers pour investir dans l'immobilier et l'argent qui est dans ma poche, je m'en sers pour faire les courses à Carrefour. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ici ou tout ici. Dis-toi que l'argent que tu as dans la poche, bah, c'est pour oui, tes loisirs, ta vie de tous les jours, tes charges courantes et l'argent qui est au-dessus, tu as un pouvoir d'achat plus fort, tu le fais fructifier donc de façon plus forte, donc tu as un effet de levier plus fort, donc tu peux acheter plus d'immobilier, des opérations plus grosses, générer plus de cash flow. Et donc moi, c'est ça vraiment que je t'invite à avoir comme raisonnement, c'est le fait de dire voilà, l'argent que j'ai dans ma poche, pas de problème, la vie de tous les jours, l'argent que j'ai au-dessus, c'est l'argent qui est destiné à faire fructifier. Je veux investir dans une entreprise, je veux acheter de l'immobilier, je veux faire des placements en bourse. Bah, j'utilise cet argent parce que j'ai plus de pouvoir d'achat. Donc, je vais pouvoir générer beaucoup plus. Mets-moi en commentaire de cette vidéo, est-ce que bah, tu penses toi aussi à créer cette holding? Est-ce que tu l'as déjà fait? Et toi, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu penses que c'est un schéma qui pour toi pourrait s'y prêter? Clique sur le bouton s'abonner pour recevoir d'autres conseils et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.